Avant de dresser les pièces, je mets un torchon sur mon plan de travail. J'y dépose ma plaque de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Pour dresser les Paris-Brest, j'ai déjà dessiné les gabarits à l'aide de pièces métalliques. J'oublie pas de retourner mon papier. Avant de dresser la pâte à choux dessus. Parce que sinon, on verra le marqueur sur les pièces dressées. Pour dresser les individuels, je vais simplement suivre mon gabarit. Ce qui est important, c'est de bien tenir la poche à douille pour avoir de bonnes pièces. Donc la tenir bien dans la main ouverte. Je viens poser ma poche dans la main. Pas la tenir comme un bouquet de fleurs.